Animé par sa soif de vengeance, Nero réduit en poussière les ennemis qui lui No hard feelings, guys, but 15 ou un this is trésor my 13. gig. Trust me, Nero. This one's gonna be a little too much for you. D'accord. Eh ben, ça commence direct, c'est ça qui est bon. Animé par sa soif de vengeance, Nero réduit en poussière les ennemis qui lui barrent la route. Il parvient à rejoindre V, qui, bien à l'article de la mort, semble déterminé à aller jusqu'au bout. Ensemble, ils avancent vers la base du cliff off. Du cliff, voilà. Ouais, personnalisation, vas-y, on va faire un tour vite fait. Donc, bonjour, bonsoir, c'est Revan, on se retrouve pour la mission 16 de Devil May Cry 5. Voilà, Dante, attendez, normalement il a pris Drive, c'est quoi ça? Ce coup d'épée brûlant. Ouais. Ok, 4 épées qui attaquent esquive. Ah oui, d'accord. Ouais, vas-y, on apprend ça. Voilà. Un peu cavalière. Voilà, désolé, hein, je vous fais perdre un peu de temps là-dessus. Coyote. Allez, c'est parti. Ouais, donc je vous disais bonjour, bonsoir, c'est Revan, épisode 15, tout ça avec Dante. Voilà, moi je pensais qu'on allait avancer. Enfin, on verra pas là, ça se passe en même temps si tu veux. Mais ce sera un peu différent parce que Nero et V ils se rejoignent, mais on voit pas Dante à la fin. Donc j'imagine que eux deux le rejoindront. Mais pour l'instant, on le voit pas ça. Donc voilà, un petit détour par la boutique. D'habitude, je faisais ça en off, mais là je me suis dit, allez. On s'en fout, on n'en a plus rien à foutre, hein, voilà. On est bientôt à la fin du let's play. Voilà, j'avais dit que je faisais plus de let's play, mais là, bon, c'est plutôt là, ça me convient parce que c'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire. Comment dire voilà, je sais pas. Oh putain, il y aura quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. On a que des autres gars. Donc salut les autres gars qui me regarderont. Vous êtes des bons. J'imagine qu'il faut aller là-dedans. Il faut aller là-dedans. All right. This is the real deal. Ouais, d'accord, the real deal. Bon, il reste encore 3 missions derrière, donc bon. Full speed ahead. En avant toutes. D'accord, si tu veux, Dante. Voilà. Oh là là, heureusement que j'ai acheté le double saut. J'allais faire une connerie. Bon, à mon avis, à la fin, au bas, tout en bas, il doit y avoir un boss, parce que là, il donne beaucoup de démonite blanche hein, qui régénère ta barre de DT de Devil Trigger. D'ailleurs, une fois de plus, hein, je vous le dis, j'attends toujours le Devil Trigger de Nero. Hein, voilà. Ah oui, c'est vrai, il a l'épée démoniaque Dante. Et on a vu à la fin du dernier épisode, de la dernière mission, comment il s'appelle l'autre con là? V avoir un sourire malinois, comme on dit. Voilà, il avait un petit sourire malinois quand Nero le portait. Donc il a un agenda, quoi. Il a un agenda secret. Donc ça c'est sûr et certain. Bon alors là je prends mon temps pour descendre, hein. Désolé, mais bon, histoire de récupérer toutes les démonites et tout. Ça voilà, c'est pas grave. Ouais, je vous disais, donc bon, à mon avis, bon, il cherche à se régénérer, à reprendre la forme qu'il avait avant. Enfin, je veux dire, ça, à quoi il ressemble vraiment, hein, vous savez, bah, c'est le frère jumeau de Dante. Donc Dante, mais avec les cheveux. En arrière, fais voir. Attends, fais voir. Oh là là, quel homme. Bon, là, je vois ton torse. Oh, regardez. Oh là là. Regardez le petit paquet! Alors, mademoiselle, je vous montre un joli petit paquet là. Hein, voilà. Et je sais pas pourquoi je regarde ça comme un con. Voilà. Voilà, donc voilà. Une nouvelle épée, très bien. De toute façon, le jeu, je compte vous faire des épisodes bonus. Qui reprendront le. Comment ça s'appelle? Vous savez, les choix de personnages qu'on a à un moment. Attends, fais voir. Merde, faut que je m'habitue. Tac. La Michael Jackson. Hi-hi-hi! D'accord, donc ça me fait perdre la démonite, c'est bien ça. Bon, pour l'instant, il n'y a rien.
Ça se passe plutôt tranquille, bon. Ah bah voilà. Évidemment. Les rois de l'enfer. Oh Stinger. Oula. Putain, bien joué. Voilà, là on est bien. Voilà, j'essaie de vous montrer un maximum. Oh putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Bien joué mon gars. C'est ça qui est bon. C'est ça qu'on aime. Hop. Oh putain de merde. Un petit peu de Devil Trigger. Voilà, là on est bien là. Ouh. Ah putain, je me fais avoir comme un con. Oh, pas mal le petit bouclier. Hihi. Voilà la petite Michael Jackson. La séquence, franchement, elle était folle hein, quand on l'a vécu. Bon, je l'avais déjà vu une première fois, mais putain, quand je l'ai revu, mais c'est juste dingue. Quoi. Bon, ça n'a rien à faire là, mais bon, c'est le Capcom des années. Des 2000 hein, qu'on retrouve. Ça fait plaisir. Bon là je vous montre pas du... Ouh louloulou. Bon allez. Voilà. Là on est bien désolé. Hein. Oh putain bien joué, enculé moi. Ah mais d'accord, je viens juste de tilter en fait, mais le chapeau c'est une arme, c'est considéré comme une arme, pas une arme à feu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une arme démoniaque quoi, je veux dire. Voilà, hop. Voilà, nickel, rang S. Ah putain, bien joué. Bon, j'ai fait ça pour récupérer un peu de vie. Les transports vont de haut, on va économiser la jauge quand même. Ah oui, il y a la fameuse super... oula. Ah non, merde, je croyais que c'était vous savez, un truc de démonite rouge, là, pour en récupérer. Toi, je t'aime pas. Voilà. Bon, bah, on continue à descendre dans les fins fonds des enfers. Ah, là, faut faire attention, là. Là, ça... Alors, attendez, je regarde... Ah. Voilà, nickel. Ouais, comme je vous disais, j'essaie de récupérer un maximum de... Attendez. Non. Non, mais putain. Bon, heureusement que je peux remonter. Voilà, nickel. Et je préfère prendre le flingue. Ah. Vous voulez me cacher cette démonite jaune, hein? Dorée, plutôt. Bon, par contre, le fait qu'ils nous disent à chaque fois à quoi ça sert... bon, c'est bon, on en a récupéré une, deux... Vous allez me dire peut-être pour les joueurs qui fouillent pas bien et tout, ce serait la première qu'ils trouvent ici. Mais bon, quand même, je trouve ça un peu gros, hein, parce qu'elles sont pas... Comment dire? Elles sont pas cachées extrêmement bien non plus, quoi. Tu fais juste un petit détour et voilà, tu les trouves, quoi. Donc, voilà. Bon, alors, comme je vous disais... Ah, j'aime bien la petite musique, là. Non, mais là, par contre, sur la fin, là, le fait de reprendre... Tu sens qu'ils étirent le... qu'ils font un maximum... Oulala. Là là. Ouais, dans l'anus de je sais pas quoi là, ils étirent le scénario là, parce que très sincèrement ils auraient pu... Encore une fois j'y reviens, mais ils auraient très bien pu faire comme la mission 13, c'est-à-dire on choisit un personnage, voilà. Mais non, 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 il fallait faire durer un peu le scénario. Putain mais elle m'a touché en plus que saloperie. Ta saloperie va. Attendez, 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 attendez.
Trickster, là, avec le Swordmaster, là, avec l'épée dedans, j'ai fait quoi? J'ai fait un gros... Ah oui! Ah oui! D'accord. Allez, explose, connerie, bah, saloperie. J'essaye de récupérer un maximum de vie, là. Oh putain, je l'ai pas vu venir. Oh là là, mais il a reculé. Comme un sac à PV. Est-ce que c'est worth it plutôt d'utiliser... je sais pas si c'est... J'ai pas encore bien normal le gameplay du chapeau de Michael Jackson. Ah, faut que je fasse plus de tests avec. Mais bon, là, j'aimerais bien économiser mes démonites rouges, en fait, si vous voulez. Donc c'est pour ça. Là, en plus, y a moyen que je... Ah, ça, t'es là, il y a deux trucs là-bas. Mais je peux descendre encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-bas. On va récupérer... Bon, on va passer par là, hein. Ça revient au même, j'ai l'impression, en fait, tu descends quand même, hein, donc... Bon, c'était juste un petit détour, histoire de récupérer un peu plus de démonites rouges. Ok. Merde. Ouais, fallait que je monte, là. Putain, j'en ai loupé une. Bon, bah, c'est pas grave. En face. Bon, je sais pas quoi trop à quoi ça va me servir du coup. Parce que... Ouais, non, je suis full, donc ça sert à rien. Donc, très bien, descendons encore dans cet enfer, dans l'enfer de Dante. Ah, mais non, mais finalement, elle est pas morte pour rien, à moins que ce soit pas la même, mais... Ça faudrait. Ah, saloperie. Mais c'est qu'elle se défend, en plus. Dis-moi pas que tu veux pas mourir. Voilà, t'es juste un mob. Là, franchement, j'ai très mal joué. J'avais complètement aussi... Mais putain, mais elle fuit. Ah, la saloperie. Ouais, je vous disais, j'avais aussi complètement oublié que Dante, il avait plusieurs styles... Attendez, je regarde là s'il n'y a pas un endroit où... Voilà. Ouais, je vous disais qu'il avait plusieurs styles et voilà, parce que bon, ça faisait un petit moment... j'avais pas joué avec Dante, puis ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Enfin, un petit moment. Ça va faire deux jours que j'ai pas joué au jeu. Voilà. Parce que bon, il y a. Au l'heure où je vous parle, on est le 20 mars. Et bon, hier est sorti sur PlayStation 4 The Messenger, un jeu que j'adore. Donc voilà pourquoi. Voilà, là je fais augmenter ma barre de sang. Je pense que ce sera utile pour le boss. Voilà, hop là, voilà. La moto, un coup de grosse moto dans la gueule. Et je suis en train de mourir. Non, oh, putain. Bon, là c'est un peu une honte, hein, je vous avoue. Mais encore une fois, si vous voulez voir des PGM sur Devil May Cry avec des gros bots de malade, c'est pas mes vidéos, c'est vraiment les trucs pour regarder. Hop, moi je joue à la bonne croquette. Voilà, hein, je joue juste un joueur normal qui fait des choses normales. Et encore, j'utilise pas assez bien les armes pour les gomboter, en fait, si vous voulez. Aïe, salope.
Voilà, hop. Et putain de merde, c'est bon, je l'ai eu. Nickel. J'aime bien cette épée dente. Ouais, ça va quoi. Alors ça va plus à quelque chose que celle de Sparda. Mais Sparda encore, j'ai pas regardé. Bon, quand il l'avait, hein. Mais j'ai pas regardé parce qu'il me semble que dans Devil May Cry on pouvait l'allonger l'épée. Je sais pas si. Si je l'ai fait ça du coup. Dans Devil May Cry 3, j'ai pas eu l'impression qu'on pouvait l'allonger. Vous savez, en fait, elle a une. Ouais, si elle s'allonge. Voilà quoi. Et là, j'ai pas l'impression qu'on pouvait le faire en fait. Voilà. Allez, vas-y, descends. Vas-y, casse. Vas-y, ouais. On est bien là. Mon frérot. Voilà. Voilà, on récupère les deux monites rouges, c'est toujours important. Le chapeau, pour l'instant, je l'utilise pas trop, parce qu'en fait, comme ça, j'utilise de la monite rouge. Je préférerais d'abord augmenter mes persos. Alors, comme ça, me faire et acheter les améliorations de tous mes persos, plutôt que de la dépenser pour l'instant avec le chapeau. Une fois que j'aurai maxé mes persos, ouais, d'accord, là, parce que le jeu, je compte bien le refaire de mon côté. Hein. Comme je vous disais déjà, je vais le refaire une première fois pour vous montrer ce sera des épisodes bonus, entre guillemets, avec les différents persos. Vous savez, quand on avait le choix des persos. Comme à la fameuse mission 13. Voilà. Bon, ça change rien, hein, mais voilà, c'était juste. Que j'adore ce jeu. Wouah, comment je fais pour aller là-bas? Bon, attends. Non, faut que je prenne le truc. Ah! Oh putain, j'étais presque. Ah, dégoûté. Désolé pour ce petit cri de jouissance intime. C'était trop bien. Hop, voilà, tac. Bon, en tout cas, là, je suis vraiment pas fan de ce qu'on est en train de faire. Hein. Je suis désolé, hein, mais les premiers niveaux, j'aimais bien parce que c'était à côté. Il y avait le côté urbain, tout ça. C'est ce que je recherchais. C'est ce que je voulais voir depuis longtemps dans la série Devil May Cry. Alors, si on l'avait un petit peu, mais c'était pas à cette proportion-là, quoi. Regardez Devil May Cry 2, on est dans une sorte au début, dans un village espagnol. Je vous parle de Devil May Cry 2 parce que c'est le jeu que je l'ai fait. Enfin, je vous avais dit, hein. J'ai fait la première mission récemment pour voir ce que ça donnait avec la HD Collection qui est sortie sur PS4, sur PS3, sur PS12, voilà, il est sorti sur toutes les PS. Et ouais, donc voilà, mais ainsi à un moment on est dans une ville. Parce que c'est fou, mais Devil May Cry 2, je l'ai pas sorti. Quand il est sorti, j'avais acheté le jeu, je l'avais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après je m'en souvenais plus quoi. Le jeu, il m'a laissé mais vraiment aucune trace quoi. Donc autant le 3 je m'en souviens très bien parce que j'avais tryhard, tellement que j'avais aimé ce jeu, Devil May Cry 3. Et je vous parle de Devil May Cry 3, pas la définitive ou l'édition, je sais pas comment ils appellent, la spéciale édition. On pouvait incarner Virgile. Bon, c'était juste deux cinématiques qui changeaient, hein. Mais moi la toute première version, et il me semble d'ailleurs dans Devil May Cry 3 il y avait une démo pour Monster Hunter. Voilà, c'était le. Voilà, c'était lancé. Il me semble là que c'était bien ça, parce que ça date de 2005. Donc, mais il me semble bien. Enfin bref, ça pour vous dire que j'avais fait la première version de Devil May Cry, moi. Devil May Cry 3, plutôt. J'ai fait la première version de Devil May Cry 3. J'entends un bruit bizarre. Ah, c'est Nero! D'accord, très bien. Ouais, je vous disais donc... bah voilà, quoi. Et le 2, ouais, je vous disais donc le 2, il m'avait laissé aucun souvenir. Hein. C'est incroyable. Ah. Oh putain, non, pas vous les gars! Bon. Voilà, j'essaye de me débrouiller, désolé, là je vais très peu parler. Concentré sur ce que je. C'est quoi ça? Voilà, là on envoie de l'électricité. Et c'est dans le côté chair humaine. Là, juste là, on passe dans le côté glacé. Voilà, évidemment, hein. Plus on descend, plus ça fait froid. Voilà. Voilà.
Voilà, un petit coup de trickster. Là, c'est plus à passer. Et voilà, nickel. Dernier ennemi de la zone. On est bien bon. Il me semble que c'était aussi comme ça dans la Devil Comedy. Putain, ça fait très longtemps que j'ai pas... Ouais, le truc, je l'ai pas lu, hein, mais je connais que... De réputation, on va dire ça, puis ce que j'ai fait dans Taferno, hein. Mais je me suis quand même renseigné, hein, quand même, vous inquiétez pas. Sur la Devil Comedy. Et il me semble plus tu descendais, plus il faisait froid. Hop, bon, sûrement un boss. Yeah! Oh! Oh putain! Oh putain, je me suis bien... Ah, je me suis bien jeté, tiens. Voilà, nickel. Voilà, ouais, non, mais s'il nous redonne de la vie comme ça et tout, il y aura forcément un boss. Ouais. Désolé, je regarde. Oh là là. Il y a un truc en bas. Peut-être un chevalier. Non, un truc pour acheter des compétences. Bon, ben ça sent le boss. Alors on y va Vanilla comme ça ou. Non. Voilà, désolé, ça va. L'épisode va peut-être durer un petit peu plus longtemps du coup, vu que je vais acheter des trucs. Mais, voilà. Bon, je vous parlais de Devil May Cry et tout ça. J'ai l'impression de radoter, donc je sais même pas. Désolé si vous avez déjà entendu ce que j'ai à vous dire là. Donc ça, non, on a dit. Attends, Trickster, attends. Ça fait quoi? Mustang Air. Voilà, Trickster, c'est très important. Voilà, hop. Niveau 4. Grand Trick, d'accord. Swordmaster. Allez, on va acheter un nouveau niveau. Montez. Voilà. Tac, 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 tac. Docteur Frost, on le garde pour l'instant. Ebonian Ivory, Cavalerie. Toi, ça me reste 14 000. Je sais pas si je peux acheter encore des trucs. L'épée dante. Ouais, donc ça, franchement, oui. Mais j'imagine qu'il y a le niveau 3, le niveau 12. Pareil pour Overdrive. Et... Voilà. Balrog, je vais voir. Je suis désolé, je regarde un petit peu. Hop, donc du coup, équipement, c'est bon. On regarde comme ça. Évidemment. Ah oui, mais ça, il faudrait que je fasse un tri aussi. 18 000, 9 000, vas-y, allez, j'achète un truc de plus. Devil Trigger plus 1. Pull my Devil Trigger! Voilà, comme il dit dans la chanson de. Comment il s'appelle déjà? De Nero. Voilà. Et Devil May Cry 4, hein, il y a le début de Let's Play sur ma chaîne, mais après, franchement, c'est dire jouer. C'est... Quand t'as joué à Devil May Cry 5, tu repasses sur le 4, c'est difficile, hein, j'avoue. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais bon, quand je l'avais fait... Alors, à l'époque, je l'avais adoré, le jeu. Hein. Puis là, quand je me suis remis, je me suis rendu compte que, bon, j'étais une torche. On n'était pas les mêmes joueurs. Hein. C'est pas moi qui suis nul, c'est le jeu qui est devenu trop difficile pour moi. On n'est pas assez habitué à cette difficulté. Voilà. Mais j'ai continué après mon let's play. Hein. J'ai continué jusqu'à la moitié du jeu, à peu près, niveau... Ouais, bah si, la mission 10. On affronte un gros monstre. Avec Nero, parce que... Non, mais non! Only kings of the underworld may enter these gates. You shall not pass! Oh, easy there, fella. Hey, I remember a stinky little pooch just like you. À Devil May Cry 3, il y avait un boss Cerberus. You insult me, foul scented creature. Looks like your master's got you on a pretty short leash. Come on, little puppy. I'll take you out for a walk. Come on, let's go. Oh putain, référence à Devil May Cry 3. C'est sympa, mais du recyclage. J'aurais aimé voir autre chose comme boss. Et ouais, ça reprend bien la Devil Comedy, là où pour aller au fin fond des enfers, faut descendre. Et ouais, voilà. C'est un peu plus important. Ouais. So, you're the strongest in the litter. Looks like we're gonna need a bigger leash. Come. Si je me souviens bien, dans Devil May Cry 3, il bougeait pas en fait. Il était resté enchaîné, à un endroit, donc il pouvait pas courir. What? Ah oui, ah, c'est comme ça. Ah, ça se passe comme ça, d'accord. J'ai eu un trophée, je crois que je peux voler. Ouh. Attends, fais voir. Il a fait un truc stylé là. Attends.
Bon. Bon, j'y vais à la bourrin. Tant pis. Ce sera pas très beau à voir pour vous. Ouais, faut bien prendre ton pattern aussi. T'as fait quoi? Ah mais d'accord! Putain, attendez, j'ai une nouvelle capacité là, je crois, avec le Trickster. Je peux m'approcher des ennemis. Là, je suis en train de me faire soulever. Attendez, attendez, comment on fait? Aïe! Oh putain, je suis mort comme une merde. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux juste regarder un truc. Changer d'air, début trigger, verrouillage, changer d'arme de mêlée, raccourci, changer de cible, se déplacer, Royal Guard, nanana. C'est haut, verrouillage, nanana. Attends, tutoriel. De vie, saut démoniaque, statue, conduit sanguin. Non, je veux voir en fait, téléphone, mission secrète, proche. Saut démoniaque. Non, je suis désolé, hein, je suis en train de perdre, mais. Je me souviens plus comment on se transforme avec Dante. Provocation, c'est le pavé tactile, d'accord. Ah, il y a un mode photo! Sympa. Oh putain, bâtard. Allez, je joue à 50 vitesse. Hein, en forme humaine ou démoniaque, maintenir elle. Voilà, on va un peu cheater. Voilà, bon, je vais utiliser. Ah, faut pas que je reste dans sa truc là. Merde. On va utiliser le Trickster. Attends, peut-être que en fait du coup, je suis désolé encore une fois, hein, je suis très concentré. Même si on dirait pas. Oh là là, le Trickster, mon gars. Aïe. Ah merde, bien joué. Ah, bien joué. Putain, ouais, mais d'accord, en fait il fait du coup de lava là. Oh putain. Oh putain. Ah, bien joué, ça suffit pas le Trickster. Bon, je vais utiliser une deuxième démonite. Voilà, et j'avoue là je joue comme un bourré, je cherche même pas à comprendre ses patterns. Ah, son pattern plutôt. Il en a trois. Feu, glace, électricité. Quand il fait les pattes de feu, faut s'approcher, faut pas s'approcher. Voilà, on s'éloigne le plus possible. Là, je vais crever parce que bon, c'est chaud. Ah merde, bien joué. Pas grave, c'est pas grave. Trois démonites jaunes pour. Eh ben, dis donc. Je suis vraiment mauvais, hein. Mais... prends ça dans ta gueule et voilà. Et le famoso voilà.
Allez. Allez, on y est presque, les gars. Oh, j'ai vraiment mal joué cette partie. Je suis un peu dégoûté de moi-même, là. Et voilà. Bon, c'était de la merde. Trois démonies. Enfin, deux démonies de rouge sur le boss. Une de plus dans le niveau. Nouvelle arme. Dans le 3, c'était un Nunchaku à 3 branches. Ah bah voilà. Est-ce qu'on a 3 pouvoirs du coup? Glace ou électricité? I'm the first one here. I like that. Ah bah je dis oui de manière positive là. Ah oui, ah là là là, pour cette arme. Ah oui. Ah oui, ça c'est du lourd. Bon, malheureusement j'ai mal joué. Rendez comme dégueulasse. Voilà, j'ai eu le rang dégueulasse. Bon bah voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette mission 16 de Devil May Cry 5. J'espère que ça vous plaît toujours. Un petit pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain et bah moi ça m'aide beaucoup. On dirait pas que ça m'aide beaucoup. Je sais, vous allez dire oui, le mec ça y est, il se prend pour un youtubeur, 10 millions d'abonnés. Non mais ça fait toujours plaisir, ça aide un petit peu la chaîne et tout. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, ciao ciao.